アスキー。Il y a enfin donc. Fort sympa. Vraiment un opening que PS5 comme je les adore. Et bien salut tout le monde, c'est Timapan et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur Power Dolls 2. Alors j'espère que vous allez bien, mais moi écoutez, ça va super. J'étais surpris parce que quand j'ai cliqué, t'as son œil qui s'allumait. Ouais, la gorge un peu en feu malheureusement. Mais bon, les aléas du temps, vous me direz. Une fois il fait chaud, une fois il fait froid. C'est la Belgique les gars, c'est la Belgique. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour Zolz 2 que je fais en totale découverte, j'ai même pas allumé le jeu une seule fois. Oh mon dieu, il n'a même pas allumé le jeu une seule fois, mais pour... Tu testes même pas tes jeux Ultima, mais qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, vraiment, c'est vraiment... Plus dans me mettre dans le mystère du jeu. Et pour tout vous dire... Ça me rajoute un petit peu plus de suspense pour savoir ce que je vais découvrir parce que j'ai jamais ouvert le jeu une seule fois, comme je vous dis. Donc l'opening, je le connaissais même pas. L'écran titre, je le connaissais même pas, enfin, tout. Tout. Allez, on va commencer. No Raiding. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Une nouvelle partie, oui. Donc on a plusieurs persos à notre disposition. Je prends toi, tiens. On doit choisir plusieurs membres en fait. Toi je t'aime bien. Et... toi. Et toi encore. Voilà. Donc je pense que c'est les unités qu'il faut choisir. On va recommencer le jeu en toute quiétude. Me semble-t-il. Ça me paraîtrait un peu normal. Alors par où est-ce qu'on va atterrir? Ok, donc c'est... Oui, madame. On sait. Oula.
Oui. Ta gueule. Non mais... Waouh. Le bug d'émulation. Il est marrant ce jeu. En fait, t'as des bugs pour... LOL. T'as des bugs qui sont faits justement pour... Pas pour. Mais... Quel jeu il ralentit vraiment. Parce que comme vous entendez ici, je ne suis plus dans le menu. C'est pour ça que j'ai testé ici, c'est que... Le jeu il bug en émulation, mais genre totalement. Là voyons, on revient dans le menu et ça. C'est pété quoi. Ta gueule! Tain, ce jeu est totalement pété, question. Ah, l'émulation s'il te plaît, qu'est-ce que t'as encore foutu? J'aimerais bien faire quelque chose, c'est d'aller en mission. Oui. C'est ouf. C'est quoi ces menus là? Ok, ça c'est pour vérifier le mecha, les équipements, tout ça, mais j'ai pas besoin, c'est la première mission. Oh là là, c'est quoi ce menu? Est-ce que je vais m'y retrouver? J'espère. End, ouais. Ouah, mais les bugs d'émulation de ce jeu, c'est quand même pas possible. Ouais, ça ne bug plus. C'est bien. C'est cool. Ah, cette interface, elle est moche. Oh, je suis désolé, mais... Même sur Mega Drive, tu pouvais mieux faire. Oh. C'est moche! Putain! Waouh! Quel est le fuck? Sérieux quoi? Oh, c'est très très complexe hein, le menu. Ça c'est les menus. Ouh, par contre, merde, que les terrains ils sont putain de grands quand même. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouh. Ça peut pousser à l'exploration, chercher d'éventuels secrets sur le jeu. C'est bien. C'est très bien. Très bon point. J'aimerais chercher le truc de la fin du tour, s'il te plaît. C'est ça? Qui? Quoi? J'ai rien foutu? Mais j'ai rien foutu? Mais lol! Et quoi? Ok, but de l'émission, se déplacer. Ouais. Mais tu te fous de ma gueule le jeu. Sérieux. The fuck. The fuck is this bullshit. Bon, je vais faire profiter de l'introduction. Allez, je me tais. Bordel de merde. オムニ政府と軍部はこの混乱を内戦として可能な限り流血を避けて解決しようと力を尽くした。オムニの利権を喰むことを望んだ産業界。この年の覇権軍の主力部隊が結託し、地球史上主義集団ジアスを組織したことで、終戦以来4年にわたって守られてきたオムニの平安は再び戦乱の渦の中に飲み込まれることとなった。 オムニ全土を席巻しようとする戦争の予感は、すでに誰の目にも明らかなものとなった。
戦争の覚悟を決めたオムニ政府のもと、オムニ軍は平時編成から急速に、かつて独立戦争を戦い抜いた強力な戦力へと変貌を遂げ始めていた。産業力の再配分、軍事開発の増補、予備役の招集、すべてが絶望的な。しかし避けがたい結論へ向けて加速度的に進行していったのである。第177特務大隊、かつて独立戦争においてオムニの勝利を決定的にしたパワーローダー戦術の開拓者たち、独立戦争の趨勢に直接的間接的に多大な影響を与えたこの大隊は、一方で戦術面運用面における実践的な研究部隊でもあった。軍首脳は当初、装甲歩兵による戦術運用のソフトウェアが盤石であることを理由に、この特務大隊の再編成には消極的であったが、かつてパワーローダーが戦場に登場した時と同様、一人の人物の精力的な活動が再びこの大隊を戦いの野に放つことになった。ウェディングマーチと呼ばれるプロジェクトによって、177特務大隊はかつてドールズと呼ばれた第三中隊の元中隊長ハーディ・ニューランド海兵隊大佐のもとに招集された。そして過酷な再訓練の日々も終わりを迎えようとしていた。Bon, je peux parler de nouveau, monsieur ? Madame, plutôt ? Ah oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Passez-moi ça. On me passe ça, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Non, 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 non. Oh, j'ai choisi sauvegarder. Je veux pas, monsieur. Que je trouve le moyen de vraiment... commencer correctement l'émission, quoi. Parce que c'est pas trop ça, quand même. Hein. Je fais quoi pour le coup, là ? Là, je peux commencer, je pense. Ouais, voilà. Faut les mettre à droite. Mais je sais pas pourquoi c'est prédéfini à gauche alors qu'il faut mettre à droite. Mais bon, écoute, je pense que c'est peut-être pour la sélection. Hein, plus tard, quand on aura beaucoup plus de personnages, choisir qui on doit mettre. Ouais, c'est con ce que j'ai dit avant. Voilà. Donc normalement, j'en ai 3 de perso. Voilà. Ah non, j'en ai 2. Bon, si tu veux, hein. Bon, est-ce que je vais pouvoir faire le jeu correctement sans finir ma mission du premier coup? Non mais ça m'a fait rire, hein. C'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Quoi? Mais tu veux que je foute quoi? Mec? Mais tu veux que je fasse quoi? Mais... LOL MDR. Mais... Tu veux que je foute quoi? Tu me fais rire, hein? Le jeu. Alors, ta gueule. Mais... J'ai...
je comprends pas. Messieurs, je pense que je n'ai pas compris où est-ce que vous voulez. Dans quelle optique vous voulez vous ramener. Mais j'ai obtenu des trucs en plus alors que j'ai fait la mission. Bon, c'est tout à fait normal que tu obtiennes des choses quand tu failles une mission. Putain, ce jeu est bizarre. Et donc, il y a des forces ennemies. Ça peut être un peu plus intéressant en fin des combats. Putain, il serait temps, hein. Oh, d'accord. Donc, j'ai lâché mes mechas. Je pense qu'il y a un bouton qu'on ne va plus toucher. Ah. Ah, mais t'es marrant, mais t'es où? Eh. Quoi? Mais je peux bouger? Ah. Donc attends. Je vais pouvoir l'attaquer. Il y a même pas d'animation de combat. Tiens, c'est nul. Ça c'est nul quoi. Il n'y a même pas d'animation de combat. Vous auriez pu faire un effort quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... En fin du tour sûrement. Ouais. Bon, ça va rapidement. Ah si, il y a des animations, enfin. Ouais, bon après c'est... C'est pas super, hein. Mais bon, on peut pas trop demander, c'est de la PS. Après, c'est sûr, bon, c'est pas trop comparé parce que c'est Super Robot Tyson et que c'est en 2D. Mais quand même, hein, j'ai envie de dire, en 3D, on faisait quand même mieux que ça. Hein. Je sais pas quand est sorti le jeu, mais c'est très très bof, hein, quand même, les animations. Ok. Mais, et ça va? Calme-toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Milol quoi. Ah ouais mais... Pouah, il est bizarre ce jeu. Et donc j'ai lâché des unités méca supplémentaires. Est-ce que je vais pouvoir bouger? Moi je peux me déplacer jusque là-bas, c'est bien. Comment tu veux que je sache qu'il y a des ennemis? Dis-moi! Mais... Comment veux-tu que je bouge? Et lui, il passe devant, il n'a rien. C'est tout à fait normal. N'importe quoi ce jeu. Putain, mais n'importe quoi. LOL. Je vais pouvoir me bouger enfin. Oula. D'accord, c'est ça qui me fait chier depuis le début là. Attends. Allez hop. Boum. Bon, au moins ça fait des explosions aux alentours. Ça c'est bien, c'est une bonne tactique. Ça reste au moins vraiment bon dans ces tactiques et tout, hein, le jeu. Faut quand même pas le nier. Ce serait de mauvaise foi. Oulala. Boum. Oula. Oh. Par contre, c'est bizarre parce que je frappe mais il augmente. Non, tu baisses de PV quand, je sais pas, t'es blessé. C'est normal. C'est dans la normalité. Là, il augmente. Fuck it, va savoir quoi.
Tac. Ah bah voilà. Ouais, bon, lui et elle, elle va mourir, hein, je pense. Très très certainement. Ouais. Ouais. C'est bien ce que je me disais. Il est très reposant ce jeu, il est très chiant surtout. Ah, ça me dure éternellement quoi. Plus les maps sont si gigantesques que ça, mais ça va durer 10 ans les combats. Ça va durer 10 000 ans. Ils sont 10 000 dans le terrain, on les voit même pas, tu sais même pas te déplacer, c'est pas amusant, c'est pas fun, c'est tout ce que tu veux, hein. Ok, au revoir. T'es trop nul. T'es pas si nul. Je sais pas, eux ils ont. Mais ça fait combien de fois qu'il attaque le mec? Lol. Et on va s'effondre, hein. Écoute. Y'a que ça à faire. Qu'apparemment ça empêche l'action de l'ennemi quoi quand on se défend de la sorte. Hop, on va mettre ça ainsi. Oh, ça va durer une éternité leur tour ou quoi. Ah, même dans Super Robot Tyson, ils nous aient pas, hein. Je m'en fous, désolé. Mais je ne tiens plus, malheureusement. Ce jeu, pour ma part, est un très très mauvais exemple de ce que représente un jeu de tactical. Les tours ennemies qui durent 10 000 ans. Ce brouillard de guerre vraiment trop trop présent. Je veux bien qu'il y ait du suspense, je veux bien qu'il y ait du stress de ne pas savoir où est l'ennemi. Mais à partir du moment où il est derrière et qu'il te frappe, tu ne sais où, bon ça met encore du stress, ça peut être pas mal. Mais quand t'es dans l'optique que tu ne sais même plus te déplacer, que le terrain soit si gigantesque qu'il y ait au moins 10 000 ennemis dedans, c'est pas fun. Croyez-moi, c'est pas fun du tout. Et pour ma part, j'ai envie d'arrêter cette vidéo découverte maintenant. Parce que vraiment, je le dis tout de suite, je ne m'amuse pas du tout. Je ne m'amuse pas du tout et je pense que si je continue là, mais oh, ça va prendre combien de temps la mission? Puis ça va se mettre sur un échec, hein. Garde le temps surtout. Et c'est impossible d'y arriver, hein. Enfin bon. Écoutez, cette vidéo découverte de Power Dolls 2 touche à sa fin. Une déception pour ma part, c'est dommage. Il avait du potentiel ce jeu, mais... Ouais. Très dommage. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous à tout le monde. C'était Ultimate Pony, à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo découverte. Ciao, bye bye.